Bonjour, 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 bonjour. Qui sera en ligne? J'attends de voir. J'attends de voir qui sera en ligne. Voilà, bravo. Reçois ta bénédiction de 2019 avec effet immédiat. Parce que tu as été la première personne à te connecter. Deuxième personne à se connecter, 3, 4, 5. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé. Voilà. C'est votre frère Elogic ici. Hier, nous étions en direct et je pense que nous serons très régulièrement en direct pour notre programme. Voilà, je suis très content de passer en direct. Je suis en pleine balade. Il fait un peu froid. Je suis dans les courses. Mais je me suis dit que certainement, hier, il y a des gens qui n'ont pas entendu l'annonce par rapport à notre marathon de prières qui commencera d'ici le 14. Alors, je tiens à vous saluer. Bonjour, 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 bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir. C'est juste un petit programme de passage pour vous dire qu'il y aura un marathon de prières. Marathon de prières qui a pour objectif d'aider les enfants de Dieu à rentrer dans leur destinée, aider les enfants de Dieu à profiter de ce qui leur a été volé. Et autres. Vous savez, parfois pour atteindre des longues distances, il faut un marathon, il faut une course, il faut une accélération, il faut une détermination, il faut se fixer un objectif et autres. Alors, durant ce marathon de prière, on doit se fixer un objectif. Bien aimé, quand on parle de marathon, vous voyez, c'est une course durant laquelle on se fixe un objectif qu'on doit atteindre en un temps record. Vous savez pourquoi j'ai organisé ce marathon de prière? C'est tout simplement parce qu'il le faut. Il est arrivé des moments où j'ai fait des songes que je ne comprenais pas. Des songes où je voyais des gens en pleine compétition contre moi. Le nombre de fois que j'ai fait des songes, j'ai eu des rêves où je me suis retrouvé dans un match de football avec une équipe adverse. Au départ, je ne comprenais pas. Je ne m'en étais pas rendu compte. Jusqu'à ce que je me dise que enfin je comprends ce qui se passe. C'est que chaque fois que l'enfant de Dieu, ça c'est un truc que beaucoup ne comprennent pas, aujourd'hui vous allez le comprendre. Chaque fois que un enfant de Dieu se fixe un objectif, bien aimé, le monde des ténèbres déclenche une compétition contre cet enfant de Dieu. Ça, c'est une révélation pour beaucoup de personnes qui ne savent pas que aussitôt qu'elle s'annonce, elle se fixe l'objectif d'atteindre un but, aussitôt commence une guerre spirituelle. Parce que le monde des ténèbres, c'est jurer l'échec. C'est un peu comme une personne qui, dans le monde des ténèbres, s'est fixée pour objectif de vous faire échouer. Une personne qui, dans le monde des ténèbres, s'est fixée pour vision de vous détruire. S'est fixée pour objectif de vous anéantir. S'est fixée pour objectif de vous rendre misérable. Vous ne le savez pas, mais quand un sorcier se fixe pour objectif ou pour but de détruire la vie de quelqu'un, il peut ne pas être là, mais il y a des démons qu'il va envoyer. Il va faire des incantations, il va faire des rituels, il va faire ce qu'on appelle des pratiques occultes qui ont pour but d'envoyer ce qu'on appelle les démons espions. Vous ne le savez pas, mais il y a plusieurs catégories de démons, ok? Bonjour, bonjour, bonjour. Plusieurs catégories de démons et ces démons ont des rôles. Il y a des démons destructeurs, il y a des démons de lourdeur, des démons de paresse, des démons de toutes sortes de catégories. Je me rappelle que en 2006, j'étais dans une cour où j'étais confronté à des grands sorciers. Et le jour que j'ai mené l'une de mes plus grandes batailles contre ces sorciers, j'ai prié de minuit à 6h du matin. Quand j'ai repris dans la journée, je me suis reposé et j'ai repris pendant des heures. L'une des sorcières a témoigné en disant qu'il y a un esprit qui veillait sur elle. Que c'est l'esprit qui est venu lui dire qu'elle était en danger pour qu'elle se lève. Je me rappelle bien, bien de ses paroles. Elle a dit, l'esprit a dit, Roland, tu es en danger, lève-toi. En bon, quel est cet esprit? C'était un esprit démoniaque qui veillait sur elle. Donc, bien aimé, ce que je veux faire comprendre, c'est que les enfants de Dieu ne le savent pas, mais aussitôt qu'ils s'engagent à réaliser un but,
Le sorcier qui est assis au village peut ne pas savoir que tu t'es fixé un but. Mais aussitôt, l'esprit démoniaque à son service, l'esprit impur à son service, le monde occulte va prendre leur satellite, leur téléphone, leur appareil et informer ton sorcier que toi, tu t'es fixé pour objectif de réaliser quelque chose. Et tu ne le sens pas, mais tout de suite, les gens qui sont au village, qui ne savent même pas ce que tu es en train de faire dans ta petite ville, qui ne savent même pas que tu es en train de combattre, préparer un mariage, commencent à t'attaquer. Tu commences à voir les cousins en rêve. Tu commences à voir les sorciers en rêve. Tu commences à voir des gens en rêve. Tu te dis, mais comment se fait-il que ces personnes-là qui ne sont même pas ici avec moi savent exactement ce que je fais? Bien-aimé, c'est dû au fait qu'il y a des sorciers qui ont ce qu'on appelle les yeux spirituels. Il y a des sorciers qui ont la capacité à entendre à distance. Il y a des sorciers qui ont la capacité à voir à distance. Il y en a qui ont aussi la capacité à interpréter, à comprendre, à pressentir. Selon les pouvoirs démoniaques qu'ils ont, ou bien selon ce qu'ils font, ça dit que dans le monde des ténèbres, selon leur capacité ou selon leur potentiel, je ne sais quoi, selon l'esprit avec lequel ils travaillent. Donc ces sorciers ont des agents informateurs, ce qu'on appelle en termes de combat spirituel des démons espions qui ont pour but d'informer le sorcier de toutes vos activités, de tous vos trucs et autres. Donc, quand un enfant de Dieu décide de faire quelque chose, décide de réussir en 2019, décide d'entreprendre quelque chose, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au moment où, dans ses pensées, il médite de faire la chose, le monde des ténèbres a la capacité de lire la pensée de certaines personnes. Il y a des gens dont Satan ne peut pas lire la pensée. Mais ceux qui sont vraiment dans la parole, là, il ne peut pas lire leur pensée. Mais ceux qui jouent avec leur prière, leur vie de prière, je veux dire, il peut lire leur pensée. Donc, à partir du moment où un enfant de Dieu s'est dit, bon, je vais me fixer tel objectif, commence une bataille. La plupart des personnes se demandent, mais comment se fait-il qu'ils ont su que j'allais faire ça? Comment se fait-il qu'ils ont su que j'allais réaliser ça? Et ils sont toujours étonnés de ce que, aussitôt qu'ils entreprennent quelque chose, il y a des blocages, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais ils ne savent pas que c'est parce que chaque jour de leur vie, il y a ce qu'on appelle les démons espions. Des démons espions qui relèvent tout et tout. Bien aimé, quand un sorcier est incapable de vous écouter à distance, il a une stratégie. La stratégie, c'est d'utiliser leurs écrans. Les écrans, les calebasses, les marmites, les choses qui leur servent d'écran, s'ils n'ont pas cette capacité à vous entendre à distance, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas un esprit démoniaque leur permettant d'entendre à distance, s'ils n'ont pas un esprit impur leur permettant de voir à distance, s'ils n'ont pas des capacités développées pour voir, pour entendre, pour faire des choses à distance, pour sortir de leur corps et autres, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de travailler à partir d'un esprit. C'est pour ça, en termes de trucs, de cas de possession, on parle des gens qui sont possédés d'esprits de sorcellerie. Ce sont des gens qui ont eux aussi leur esprit. Mais en plus de cet esprit, ils sont possédés d'un esprit qui exerce la mission qu'on lui confie. Donc ce sorcier, son esprit peut quitter son corps pour venir vous surveiller. Son esprit peut quitter son corps pour venir vous écouter. Vous pouvez parfois être à la maison en croyant que vous êtes tout à fait seul, en train de parler de vos affaires. Mais parfois, la personne à qui vous vous confiez n'a rien rapporté dehors, n'a rien dit et n'a rien expliqué à qui que ce soit. Mais vous êtes étonné que c'est comme si tout le village sait que vous êtes en train de préparer quelque chose. Les attaques qui viennent du village, vous commencez à voir des sorciers du village. Vous commencez à voir des sorcières du village. Vous commencez à voir des gens bizarres. Et puis vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? À peine j'ai annoncé ceci, à peine j'ai annoncé cela, que de cauchemars et autres. Bien aimé, c'est simple et clair. C'est tout simplement parce qu'ils ont soit des capacités
à vous voir, la capacité de vous entendre à distance ou la capacité de lire dans vos pensées. S'ils ne peuvent pas faire tout cela, si vous êtes faible dans la prière, ils vont convoquer votre âme. Ils te convoquent au village et ils interrogent ton âme. Dis-nous ce que cette sœur-là est en train de faire. Et ton âme va commencer à leur relater les faits. C'est parce qu'il y a ci, c'est parce qu'il y a ça, c'est parce qu'il y a ci. S'ils voient qu'ils ne peuvent pas contrôler ton âme et ton esprit à distance, ils vont contrôler l'esprit et l'âme de quelqu'un à qui, en fait, quelqu'un à qui tu te confies, quelqu'un avec qui tu parles beaucoup, quelqu'un avec qui tu fais certaines choses. Maintenant, à travers ce quelqu'un avec qui tu fais tout ce que je viens de dire là, va commencer à être le point de contact. Vous ne le savez pas, mais certains de vos amis à qui vous vous confiez et qui n'ont pas une bonne vie de prière sont vos points de contact, sont les points de contact de la sorcellerie. Donc, il soustrait l'information à ces personnes par des interrogations sur le plan spirituel, en analysant leur vie, en faisant des choses. Parfois, ils peuvent même poser la main sur la terre, parler à la terre et prendre des informations pour vous détruire. Donc, tout ça là, c'est pour vous surveiller à distance. C'est pour vous contrôler à distance. C'est pour vous dominer à distance. Et c'est pour faire en sorte que votre vie n'aille nulle part. Et que ce que je tente de vous faire comprendre à travers cet enseignement est que beaucoup ne le savent pas. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles leurs affaires n'avancent pas. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir que combien ont annoncé des projets de mariage qui n'ont pas abouti. Je vous explique aujourd'hui combien ont annoncé des affaires et ils se sont rendus compte que c'est plutôt au moment où ils ont annoncé tel projet qu'il y a eu beaucoup de difficultés. C'est au moment où ils ont annoncé tel mariage qu'il y a eu beaucoup de disputes dans le couple. C'est au moment où ils ont pris telle décision ou telle décision qu'il y a eu beaucoup de problèmes. C'est au moment où ils ont commencé l'année qu'il y a eu beaucoup de blocages. C'est au moment où ils ont eu des opportunités, des ouvertures, des portes qu'on était en train de leur ouvrir, qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Et là, ils ne vont même pas se rendre compte de ce qui se passe. Mais c'est parce qu'ils sont pistés, surveillés, supervisés, parfois par des sorciers qui utilisent des moyens occultes. Parfois, ils peuvent venir même installer de manière invisible des caméras dans votre maison. Vous ne savez pas, mais à travers les caméras invisibles, les gens voient tout ce que vous faites, tout ce que vous mangez, tout ce qu'ils savent, tout de votre vie à travers des caméras. Parfois, si il y a un sorcier qui est possédé, ses yeux deviennent leur caméra. Ses yeux et autres, ils ont des appareils, des puces. Vous voyez, le monde occulte est très avancé. Et beaucoup n'ont pas encore perçu leur mode opératoire. Je vous assure, quelqu'un peut être en train de te regarder comme ça, tu lui parles. Mais en réalité, depuis le monde occulte, la télévision spirituelle est connectée à cette personne. Et à travers ses yeux, on te voit. À travers elle, on t'entend. Il y a une grande sorcière sud-africaine convertie à Christ qui a dit quelque chose que je vais vous révéler. Une ancienne sorcière sud-africaine convertie à Christ. Elle dit qu'elle a envoûté les mèches, elle a envoûté les faux cheveux, elle a envoûté des choses. Les choses que les femmes prennent et puis elles ne prient jamais dessus avant de les utiliser. Elle dit que les sorciers vont envoûter les objets que les femmes utilisent, les faux cheveux, les mèches, les strings et autres, avant que le vendeur même les place dans les boutiques. Maintenant, quand toi, la femme, qui les a portés, ou toi qui as déposé les mèches humaines, les trucs dans ta maison, tu es en train de prier et que Dieu entoure ta maison de feu, eux, ils vont aller dans le monde spirituel. Quand ils vont aller dans le monde spirituel, ils vont aller dire à Dieu que cette personne, par exemple, ne peut pas être protégée parce qu'elle a la musique mondaine. Cette personne ne peut pas être protégée parce qu'elle a nos articles dans la maison. Cette personne ne peut pas être protégée parce qu'elle a ci et elle a ça. Et effectivement, si ce qu'ils disent là est vrai, que tu es chrétien mais tu as la musique mondaine dans ta vie, tu es chrétien mais tu as plein de péchés non confessés, tu es chrétien mais tu as plein d'histoires non réglées, tu es chrétien mais tu as plein de trucs du monde, des habitudes du monde, des films d'horreur conçus par le monde des ténèbres qui ont inspiré les gens à concevoir, des films pornographiques et toutes sortes de choses qui leur donnent le pouvoir. À partir de ce moment, tu n'es plus sous la protection divine parce qu'ils vont réussir à couper la connexion. Et toi, tu te dis, mais Seigneur,
Pourquoi je prie, mais je suis beaucoup attaqué? Seigneur, pourquoi malgré que je prie, les maris de nuit rentrent? Seigneur, pourquoi malgré que j'intercède, tout va mal? C'est tout simplement parce qu'ils ont réussi à insérer dans ta vie soit quelque chose qui leur appartient. Tu ne te rends pas compte. Tu peux dire non, il y a des choses qu'on peut faire, mais la Bible déclare que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que le monde des ténèbres, ils sont très malins. Vous n'avez jamais remarqué, frères et sœurs, vous priez, mais vos problèmes ne finissent jamais. Vous priez, mais les attaques se multiplient. Vous priez, mais vos vies sont bloquées. Vous priez, mais vos affaires n'avancent pas. Vous priez, vous priez, vous priez. C'est parce qu'eux, ils sont très malins. La Bible appelle le diable le malin. Ça veut dire qu'ils peuvent placer quelque chose sur toi. Un tatouage que tu as mis là, sur tes fesses, sur tes épaules, sur ton front, juste pour un article de beauté. Le monde des ténèbres peut te dire que c'est eux qui ont inventé ce tatouage. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent inventer un tatouage qu'une femme va trouver joli. Elle va dessiner sur son corps. Alors qu'en même temps que ce tatouage qu'ils ont utilisé des artistes, chanteurs pour inventer, tu dessines ce tatouage sur ton corps. À partir de ce moment, tous ceux qui font le tatouage deviennent agents, c'est-à-dire que deviennent propriété du diable. Vous ne le savez pas, renseignez-vous. Ou bien, si ils ont utilisé un artiste pour faire des signes bizarres, c'est comme les signes mystiques qu'on voit là. Tous ceux qui, dans leurs habitudes, vont commencer à représenter ce signe, sont en train de prêter allégeance au diable. Vous ne le savez pas. Peut-être qu'ils vont créer un modèle de coiffure qui arrive. Et puis, vous ne vous rendez pas compte, hein. Tout de suite là, il y a un modèle de coiffure qui arrive. Tout le monde copie. Tout le monde modèle de coiffure. Vous ne le savez pas. Et puis la plupart du temps, ce sont les artistes qui sont dans le mysticisme, dans l'occultisme qui font ces choses. Quand ces artistes font ces choses, et puisqu'ils travaillent pour le diable, le but c'est quoi? L'artiste, le diable va le rendre populaire. Le diable va le rendre célèbre. À partir de sa musique, tous ceux qui vont aimer sa musique sont en train de prêter allégeance au diable. L'artiste, comme il est célèbre, il va créer un modèle de truc, un modèle d'habit, un modèle de coiffure. Tous ceux qui veulent devenir célèbres, qui vont copier ces modèles de trucs et autres, prêtent allégeance au diable. Maintenant, qu'est-ce que le diable va donner à ces artistes en lieu et place de leur succès? Le diable, lui, il va utiliser ces artistes, ces faux pasteurs et autres qui baptisent les gens avec des esprits des eaux, qui baptisent les gens avec des esprits impurs, ces faux pasteurs, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le but, c'est qu'eux, ils vendent des âmes au diable. Ces artistes sataniques, eux, ils vendent des âmes au diable. Et quelle est leur manière de vendre les âmes au diable? Par leur musique envoûtée par le diable. Tu écoutes cette musique du monde. À cause de cette musique du monde, tu ne peux pas prier bien. Tu oublies que c'est parce qu'à travers cette musique du monde, le diable a eu une connexion directe avec ton âme. Donc, puisque d'une manière ou d'une autre, tu es lié au diable, tu ne peux pas aimer la prière. Tu veux prier, tu te sens paresseux. Tu veux prier, tu te sens négligent. Tu veux prier, tu te sens lourd. Ta vie de prière est moche. Mais si tu veux faire des amusements, des trucs, des plaisanteries, ça, il n'y a rien. Mais quand c'est la prière, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, le diable est entré dans ta vie. Maintenant, ils ont une autre stratégie. Cette stratégie consiste à faire quoi? Comme ils ont su qu'ils ne peuvent pas contrôler le nom de tous les enfants de Dieu, ils vont faire quoi? Ils vont insérer des numéros invisibles dans le sang d'une personne. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ont gravé un numéro invisible dans ton sang. Mais tu ne le sais pas. Mais avec ce numéro, ils ont la capacité à t'appeler depuis le village. Donc, après ce numéro, s'ils ont récité ce numéro mystique, tu veux pas, tu fais des rêves, tu te retrouves tout de suite au village. Il suffit de dormir un peu. Ils ont la capacité à commander ton âme. Ça veut dire que tu peux être en train de... Tu es debout là, à ne rien faire la journée, tu ne dors pas. Mais ton âme peut quitter ton corps. Bien aimé. Vous n'avez jamais remarqué ça. Tu peux être debout, tu ne dors pas, mais ils peuvent convoquer ton âme en plein jour. Parfois, tu es là et puis tu as eu tout à coup des frissons, ou bien tu es là et puis tu commences à avoir des battements de cœur. Je vous dévoile les œuvres du monde des ténèbres pour que vous ouvrez vos yeux. Donc, quand ils insèrent un numéro mystique dans ton sang, si vous voulez délivrer vos enfants de la sorcellerie, il y a deux choses à faire. Deux choses dont je vais parler le reste plus tard. Vous détruisez tous les rituels et pratiques occultes, les sacrifices de sang qu'ils ont donnés à ces personnes pour les initier. Et de deux, vous brûlez le numéro mystique qu'ils ont gravé dans l'âme de la personne.
Vous brûlez le numéro mystique qu'ils ont gravé dans l'âme de la personne. Bien-aimé, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais je dois le dévoiler aujourd'hui. Je vais entendre quelqu'un dire, frère, là, je parle. Tu as déjà commencé, il faut terminer. Je vais entendre quelqu'un dire, parle. Parle. Vous avez déjà entendu les paroles comme la marque de la bête. Vous avez déjà entendu parler, non? Oui, ils sont en train de graver le chiffre 666. 666. Les puces électroniques et autres. Mais est-ce que vous savez qu'en réalité, dans le sang de l'être humain, le diable est en train de graver des chiffres 666. Donc, si vous ne le comprenez pas, c'est une grande révélation que je vous donne. Aucun pasteur au monde ne pourra vous expliquer ça si Dieu l'inspire. En réalité, l'une des choses par laquelle la sorcellerie nous contrôle, c'est de nous attribuer des numéros, des marques du diable dans notre sang. Donc, on peut même dire que vous allez remarquer que toutes ces histoires de graver 666 et autres là, parfois c'est de la distraction, c'est la réalité. Hein? La Bible dit que ça va arriver, hein? Mais vous allez remarquer que en réalité, ils ont une autre façon de contrôler les gens. Pour contrôler quelqu'un, c'est l'âme de la personne qu'on contrôle. C'est tout. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, toute cette manipulation que vous êtes en train de subir là, cette oppression là, c'est dû au fait qu'il y a deux choses que la personne, les sorciers cherchent à contrôler. L'âme et l'esprit de la personne. Donc, la vraie marque du diable dans la vie des gens là, c'est dans leur sang que le diable grave ce numéro 666. Et vous allez voir que quand la personne, son sang est déjà gravé par le monde des ténèbres, tout ce que vous lui dites de Dieu, elle s'en fout. Voici pourquoi vous allez voir que certaines personnes, pour les emmener à accepter Dieu, c'est trop difficile. Bien aimé, tout ce que vous lui dites, elle s'en fout. Tout ce que vous leur dites, elle s'en fout. Tout ce que vous allez dire à un homme, ils sont fous. Bien aimé, qu'est-ce qui empêche cet homme de croire en Dieu? Jésus n'a jamais insulté sa maman. Jésus n'a jamais insulté son papa. Jésus ne lui a jamais rien fait de mal. Mais vous lui dites, mon frère, il faut accepter le Christ. Mais elle dit non, non. Bien aimé, est-ce que vous savez un grand secret? Un grand secret. Est-ce que vous savez que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la marque du Saint-Esprit. Grand secret, n'est-ce pas? Grand secret, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? La crainte de l'Éternel, c'est la marque du Saint-Esprit qui nous donne la crainte de l'Éternel. La Bible déclare que quand Paul prêchait, même les païens étaient baptisés du Saint-Esprit. Et quand les païens ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé à donner leur vie à Christ. Ils ont commencé à écouter la parole de Dieu. Mais vous ne savez pas que le diable aussi, le sachant, il a fait en sorte que la crainte, c'est-à-dire que l'acceptation des œuvres du ténèbre ou le refus d'accepter le Seigneur montre déjà que le diable a déjà marqué l'âme de beaucoup de personnes. Bien aimé, le diable n'a rien à faire à ton corps. Le diable n'a rien à faire à ta personne. Il n'a rien à faire. Tout ce qu'il veut, c'est ton âme. Et pour pouvoir dire que cette âme, l'âme de telle personne m'appartient, qu'est-ce que lui va faire? Il va introduire quoi dans l'âme de la personne? Une marque. Il va marquer quoi? L'âme de la personne. Quand Dieu veut prendre quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve l'âme de la personne. Quand le diable veut contrôler aussi la personne, il fait quoi? Il contrôle l'âme et l'esprit de la personne. Donc vous devez maintenant comprendre pourquoi il y a des gens qui sont entre le christianisme et le monde. Parce que leur âme est en train de balancer entre aller chez Jésus ou aller chez Dieu. Vous allez voir qu'une fois que le chrétien, son âme commence à être totalement délivrée, il commence à avoir le goût de la prière, l'amour de la prière, la joie de la prière. Ça, c'est ce qui montre qu'une âme est sauvée. Elle est sauvée quand elle prend
plaisir dans les œuvres du Seigneur. Elle est sauvée quand elle prend plaisir dans la prière. Elle est sauvée quand elle prend plaisir dans la méditation biblique. Mais bien aimé, quand l'âme n'est pas entièrement sauvée, ou bien quand elle est en voie d'être sauvée, vous allez voir que c'est quelqu'un qui veut être un chrétien, mais c'est un chrétien qui n'est ni chaud ni froid. C'est-à-dire que lui, il est au milieu. Il faut qu'on fasse des efforts pour qu'il vienne à Jésus. Ou bien si nous ne faisons pas d'efforts, il ira chez le diable. C'est pour ça que vous allez remarquer que beaucoup ont du mal à se donner à Dieu. Parce que ce sont des chrétiens qui sont entre Dieu et quoi? Et le diable. C'est-à-dire qu'ils sont au milieu. Ils sont au milieu. Il faut aller évangéliser pour que ces personnes... Il faut une motivation. Il faut quelque chose. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui ne prennent... qui s'en foutent éternellement de ce que Dieu dit. Ils s'en foutent. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont contrôlables depuis le village. Le diable peut les manipuler. Leurs émotions sont manipulables. Leurs sentiments sont contrôlables. Leurs choix, leurs décisions et autres. Vous allez remarquer que ce sont des chrétiens qui ne sont ni chauds ni froids. Mais regardez, quand un chrétien, son âme est totalement arrachée. Son âme est arrachée du monde des ténèbres. Bien-aimé, c'est un chrétien qui aime la présence de Dieu. C'est un chrétien qui aime la prière. C'est un chrétien qui aime beaucoup de tout ce qui vient de Dieu. Il ne se fatigue pas. Plus vous priez, plus il a envie. Parce que l'Esprit de Dieu en quelqu'un ne veut que la prière, ne veut que l'adoration, ne veut que la louange. L'Esprit de Dieu en lui ne veut se nourrir que de la prière. Mais les chrétiens charnels, c'est-à-dire les chrétiens qui sont encore en voie d'être délivrés et qui par conséquent sont contrôlés par le monde des ténèbres, sont des chrétiens indécis, des chrétiens froids et autres. Ce que je suis en train de vous enseigner, ce n'est pas pour insulter quelqu'un, mais c'est pour vous faire voir quel est votre niveau spirituel et comment vous devez faire pour ne pas que vos parents, les sorciers, vos ennemis vous contrôlent à distance. C'est par ce numéro d'identification qu'il contrôle tout le monde. Et l'une des raisons pour lesquelles quand une personne donne naissance à ses enfants, la malédiction continue de contrôler, c'est parce que cette personne qui t'a mise au monde est identifiable par un code secret dans le monde des ténèbres. Et à partir de ce code secret, on peut identifier tous les membres de la famille. Et pour pouvoir délivrer quelqu'un de la sorcellerie, non seulement vous chassez l'esprit de sorcellerie en détruisant les racines du problème, tout ce qu'ils ont fait pour l'initier, mais le plus grave et le plus difficile à enlever, c'est d'effacer totalement avec le sang de Jésus le numéro d'identification avec lequel il te contrôle. Bien aimé, c'est avec ce numéro, on appelle ça la marque du diable. C'est avec tout ce que le diable fait pour marquer certaines personnes qu'il les contrôle. Ils peuvent contrôler ton mariage à partir d'une marque satanique. Ils peuvent contrôler ton âme à partir d'une marque satanique. Ils peuvent contrôler ta destinée à partir d'une marque. Et pour marquer ton âme, ils vont graver un numéro dans ton âme ou dans ton esprit. Bien aimé, quand ils activent leurs ordinateurs à distance, tu veux pas, c'est comme si on t'appelait. Ils te contrôlent. Ça dit que tu es un être vivant, mais un être vivant qui n'a pas le contrôle de ses volontés, de ses dires et autres. Puisqu'ils contrôlent ton âme et ton esprit à distance, le jour où ils veulent que tu t'énerves, tu vas t'énerver. Ils sont capables d'activer les envies sexuelles. Ils sont capables d'activer la colère. Ils sont capables de te détourner pour aller dans un faux mariage. Tu vas rester dans ce faux mariage pendant 10 ans. Et une fois, ils savent qu'ils t'ont réellement détourné de ton plan et que ce n'est plus la peine. L'homme qui devrait te marier s'est déjà marié, qu'elle a déjà eu des enfants. Ils se sont arrangés pour que la personne soit en amour et en s'assurer qu'elle ne reviendra plus. C'est là maintenant qu'il lâche pas, il lâche prise. Et une fois qu'il lâche prise, tu te rends compte que ce mariage qui a commencé si bien, tu te rends compte que c'est là maintenant que, après 10 enfants, tu commences à prier pour dire, Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans le mariage qu'il faut? Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans le travail qu'il faut? Tout ça là, ils vont s'assurer qu'il soit trop tard. Et que c'est quand c'est trop tard que maintenant le bandeau spirituel, les trucs qu'ils ont mis dans les yeux des gens, ils enlèvent. Et puis maintenant, toi et tes partenaires d'affaires, vous ne vous entendez plus et autres. Maintenant, après, tu abandonnes tout et tu te dis, bon, ben, je vais aller chercher. Mais ils font en sorte qu'il soit trop tard. Ce sont des manipulateurs très rusés, capables de détourner quelqu'un de son travail, capables de détourner quelqu'un de son chemin. Comment ils font pour briser les foyers? Ils vont envoyer quelqu'un
un faux camarade, une fausse amie qui va venir te manipuler jusqu'à détourner ta vie. Et quand cette personne a détourné ta vie, au départ, elle fait semblant de te soutenir. Cette camarade-là, elle t'encourage. Oui, ton mari se prend pour qui? Tu es une belle femme, tu peux trouver un homme qui va t'aider. Tu ne vas pas laisser ce clown-là détruire ta vie. Et ils vont t'embrouiller. Et puis à cause de ces camarades-là, tu commences à avoir un mauvais caractère, une mauvaise attitude et autres. Maintenant, plus tard, ce camarade ou cette camarade-là, qui t'encourageait à tout bousiller et tout foutre en l'air. Quelques temps après, dispute entre vous, confusion entre vous et autres, et autres, et autres. Le but, c'était d'utiliser cette personne pour t'emmener soit dans une mauvaise relation. Ils ont utilisé plein de personnes pour emmener des femmes dans une mauvaise relation. Tu es là, là, quelqu'un quitte là-bas. Hé, ma chérie, je connais un gars là, il cherche femme. Je connais un gars là, il cherche femme, il est sérieux, hein? En bon, il est sérieux. Et là, ta camarade commence à te manipuler, te manager, te faire tout, t'encourager pour dire non, je le connais et autres. Et puis maintenant, l'homme commence à, on vous branche et puis vous commencez à parler. Au départ, c'est bien chic, 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 chic. Et puis après, tu te rends compte qu'on t'a connecté à un vrai clown. Après, tu te rends compte. Et là, maintenant, le temps, tu vas te rendre compte, l'autre qui vous a connecté, lui, se retire. L'autre commence à devenir bizarre et après, tu commences à regretter. Mais en entendant que tu vas finir de regretter, le diable a déjà eu ce qu'il veut. Il t'a déjà détourné et tu es déjà loin. Bien-aimé, Dieu a la capacité de changer ta vie. Il peut te mettre sur ton chemin, il peut t'enlever des choses. Donc, le diable et ses agents sont des manipulateurs. Ils peuvent manipuler quelqu'un. Ils peuvent te faire croire que, bien-aimé, tu es dans le bon boulot. À un moment donné, tu te rends compte que tu as passé des années dans un boulot, tu n'as jamais eu d'économie. Un boulot qui est plus que de l'esclavage. Un boulot qui est plus que la souffrance. Mais au départ, ils vont te faire croire que c'est ton boulot. Ils sont capables même de te convaincre que c'est ton travail de rêve. Pourvu que tu ne rêves à rien d'autre. Ils peuvent te faire croire que là où tu es là, tu es à l'aise. Pourvu que tu ne rêves à rien d'autre. Ils peuvent te faire croire que là où tu es dans le mariage absolu. Pourvu que tu ne rêves à rien d'autre. Et quand ils vont t'assurer que là où tu es là, c'est plus, c'est sûr que tu ne pourras pas te sortir de là. Et c'est là maintenant qu'ils retirent les amours, les plaisirs, les choses. Et puis après, maintenant, tu es assis dans la maison avec ton voisin de maison, ton voisin de chambre. Et puis, bon, ben, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien, qu'est-ce que je fais là? Et là, parce qu'ils t'ont manipulé. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer des esprits. Et pourquoi est-ce que lorsque vous décidez de faire quelque chose, il y a autant de combats? C'est parce que tout ce que vous décidez de faire pour le monde des ténèbres, c'est un défi. Que vous le sachiez ou pas, je vous l'explique aujourd'hui. Donc, n'ouvrez pas vos bouches. Je suis votre frère, pardonnez-moi, c'est mon défaut qui est là. Je vous aime beaucoup. Pardonnez-moi, c'est mon défaut qui est là, ma façon de parler, là, que les gens n'aiment pas. Donc, n'ouvrez pas vos bouches pour annoncer un projet sans en être sûr de vous miser à 500%, de miser votre énergie pour accomplir ce projet. Je vous assure, si vous ouvrez vos bouches pour dire je vais faire ci, je vais faire ça, vous allez vous attirer des malheurs, des attaques, des oppressions. Après, vous allez dire, mais pourquoi depuis que j'ai commencé à faire ce projet, c'est là qu'il y a problème, mon frère, ma soeur. À moins que tu n'aies les moyens de ta politique, il ne faut pas aller ouvrir bouche pour dire tu veux te marier. Il ne faut pas ouvrir bouche pour dire tu veux devenir prophète. Il ne faut pas ouvrir bouche. Bien aimé, beaucoup ne le savent pas et se sont attirés des malheurs. Leur bouche qui parle, on dirait machine à coudre là. Ah oui, il y a ci et oh, il y a ça. Assure-toi que lorsque tu annonces un projet, que tu deviennes fou dans la prière, que tu deviennes, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu deviennes un vrai malade de prière. Sinon, tu vas voir, tu vas aller annoncer à tout le monde que quelqu'un veut te marier. Les disputes qui vont déclencher, ils vont manipuler tout. C'est comme s'ils mettent leur pion. Ils activent tous leurs satellites, tous les petits démons impolis là. Ils vont les envoyer. Ton mari devient impoli, ton copain devient impoli, impolitesse, jusqu'à le mariage est foutu en l'air. Tu vas dire travail. Ils vont activer les petits démons de galère, les petits démons de chômage, les petits démons de manque d'argent. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que tu réalises tes projets. Si tu dis je vais arriver là, ils vont commencer à activer les petits démons de maladie, les petits démons, les petits esprits, tout, tout, tout. Et là, tu es là, tu tournes en rond depuis 10 ans parce que tu ne sais pas que ta vie est menacé. Tu es menacé. Tes projets sont menacés. Ils ne veulent même pas que tu accomplisses quelque chose. Ils ne veulent même pas que tu deviennes quelque chose. C'est pour ça, maintenant, pour terminer, je te dis, pour organiser, pour ce marathon de prières, c'est pour éteindre toute compétition engagée contre toi dans le monde des ténèbres.
Voici pourquoi quand vous décidez d'entrer dans un mariage, vous devez prier plus que Élie. Quand vous décidez de réaliser un projet, vous devez prier plus que Élie. Bien-aimé, je vous ai conseillé d'écrire cette chose à réaliser et cette chose à détruire. Ils savent que vous allez détruire tout ce qu'ils prennent pour vous contrôler. Et là maintenant, ils vont essayer de faire en sorte que vous ne puissiez pas détruire. Ils savent que vous vous préparez à changer votre vie. Et eux, ils vont s'engager à tout faire pour que votre vie ne change pas. Donc, si vous êtes des gens, des personnes qui prennent des décisions pour prendre des décisions, qui prennent des décisions pour faire plaisir aux gens, qui prennent des décisions juste pour bavarder et parler, je suis désolé de vous le dire. Ils vont vous montrer qu'ils ont déjà signé dans le monde des ténèbres que vous là, vous ne serez rien. Ils vont essayer de vous montrer qu'ils ont déjà décidé dans le monde des ténèbres que vous là, vous n'avez pas droit au mariage. Pourquoi vous allez venir annoncer mariage? Pourquoi vous allez venir annoncer travail? Pourquoi vous allez tomber sur un homme qui s'occupe de vous? Et ils vont préférer que vous restiez avec cet homme-là qui ne fait rien pour vous, qui ne vous donne rien, qui vous utilise seulement pour son matelas de toutes les soirées. Ils vont vouloir que vous restiez avec cette femme-là qui ne vous rapporte rien. Pourquoi vous allez vouloir changer de vie? Ils ne veulent pas que votre vie change. Ils ne veulent pas que vous prospérez. Ils ne veulent pas que vous deveniez quelqu'un. Pourvu que vous soyez assis, bras croisés à regarder télévision, en train de vous tordre les pouces pour ne rien faire de bon. Pourvu que vous vous contentez de votre petit salaire médiocre, salaire qui n'arrive même pas à joindre les deux bouts, qui n'arrive même pas à payer d'hypothèque, qui n'arrive pas à payer quelque chose. Ça, ça les arrange. Mais dites tout de suite, je vais devenir ceci et je vais devenir cela. Là, les attaques commencent, les manipulations commencent, les cauchemars commencent. Commencez même à intercéder pour changer votre vie. Commencez même à jeûner votre vie. Les maris de nuit vont venir, les démons vont venir, les pauvretés. Ça dit que même les grands-pères sorciers qui sont morts là vont quitter leur tombeau pour venir vous attaquer. Même les cousins même qui sont dans la sorcellerie internationale vont commencer à venir. Parce que leur but, c'est que vous restiez là à ne rien foutre. Parce que ce qu'ils n'ont pas réalisé chez eux, vous n'avez pas le droit de réaliser. Donc, pourquoi vous allez prendre des décisions et puis continuer de jouer au paresseux? Pourquoi vous allez prendre des décisions et continuer à ronfler? Pourquoi l'année qui a si bien commencé, vous allez la terminer endormie? Bien aimé, moi et l'autre, je ne dors pas. Je me repose, d'accord, mais je suis tout le temps debout. Parce que je sais que dans ma famille, dans mon village, il y a tellement de méchants démons, tellement d'esprits impurs, tellement d'hypocrisie autour de moi, tellement de jalousie autour de moi, qu'il y a des gens même là qui ne vont jamais souhaiter que Eloge devienne riche pour aider les pauvres. Satan sait que Eloge, s'il devient millionnaire, les pauvres vont manger. D'ailleurs, même le peu qu'il gagne déjà, il aide les orphelins, il aide les veuves, il soutient tous ceux qui croient sur son chemin. Donc Satan s'est dit, mais attends, à cause de ce petit-là, tous les petits pauvres que j'ai mis dans la pauvreté vont manger. Mais non, ce n'est pas vrai, c'est inacceptable. Alors il commence à te combattre. Tout ce que tu veux faire, il combat. Tout ce que tu demandes, il combat. Il n'y a pas une seule parole qui est sortie de ta bouche là que tu as accompli sans problème. Est-ce que tu penses que je m'amuse? Tu as commencé quelque chose sans bataille. Quand tu dors tranquille, tu joues au paresseux, tu fais tes grasses matinées, tu rêves. Quand tu es en train de défiler 24 heures chrono, quand tu es en train de regarder tes films inutiles là, quand tu es en train de danser tes danses inutiles dans les boîtes de nuit, quand tu es en train de te promener pour bavarder, ça les arrange, ça les dérange pas. Mais commence à prier pour ton succès. Commence à désirer le changement. Comment ça dit tu vas sortir du célibat? Comment ça dit tu vas avoir un meilleur mariage? Comment ça dit tu vas quitter ce monsieur-là qui te traite comme une bonne? Comment ça dit que tu vas quitter cette femme-là qui te prend pour son bouclier de pauvreté? Comment ça dit que tu vas quitter là? Là, ils vont mettre tout en ordre. Ils vont tout arranger pour que tu ne sortes pas de là. Non. Pourquoi tu vas sortir de là? Pourquoi tu vas quitter là? En tout cas, quand tu en as marre que tu veux quitter cette situation, on te demande pardon. Il faut rester. Et puis quand tu restes, on te fout la merde. Et après, tu dis non, je m'en vais. On te demande pardon. Ils veulent que tu te calmes. Pourquoi tu vas désirer le succès? Ils ne veulent pas du tout entendre de ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils inscrivent les numéros dans le sang des gens. Ils installent tout ce qu'il faut comme dispositif électronique. Des appareils d'écoute, des visions et autres. Le monde des ténèbres est avancé en technologie. Vous ne le savez pas, mais je vous le dis. Et c'est comme ça qu'ils contrôlent votre vie. Vous pouvez être là tous si vous dites, je vais construire une maison. Le problème commence dans ton travail en même temps. Je vais construire une maison, je vais économiser. C'est là que ta voiture commence à tomber en panne tous les jours. Quand tu dis je vais faire ça, c'est là que tu es tout le temps malade. Quand tu dis je vais réaliser ça, tout ton petit économie. Tu as économisé jusqu'à quand ça arrive au montant que tu veux. Au montant que tu veux pour réaliser ton projet. C'est là que les gens commencent à tomber malades. Des projets. Si toi-même, ils ne t'ont pas manipulé, pistonné tes idées pour que tu ailles dilapider l'argent comme un clown. Et puis après, tu te dis, mais Seigneur, je t'ai demandé l'argent pour faire ça. Mais tu te rends compte que tu as prié Dieu pour dire, Seigneur, je veux l'argent pour faire ça. Mais tu as eu l'argent, mais tu as investi dans d'autres choses.
Parfois, c'est pour acheter des bêtises. Parfois, c'est pour acheter n'importe quoi. Parfois, c'est pour ne rien faire. Et tu vas te dire, bon, dans tous les cas, Dieu va te donner encore. Dans tous les cas, Dieu va te donner encore. Mais là, tu souffres et tu ne trouves plus rien. Ce sont des manipulateurs. Et ce sont des manipulateurs qui travaillent seulement qu'avec des esprits. Donc, n'oubliez pas qu'une chose, une fois que vous décidez de combattre certains défis que vous lancez au monde des ténèbres. Bien aimé, une fois que j'ai dit que j'allais écrire un livre, c'était un défi. Ils se sont dit, mais personne n'a écrit de livre dans notre village. Quand j'ai dit devenir artiste-chanteur, personne n'est devenu artiste-chanteur. Parce qu'ils ne veulent même pas que quelqu'un le fasse. Ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi vous allez le faire? C'est une honte pour certains sorciers ou certaines méchantes personnes dans votre famille. Quand vous décidez de réaliser quelque chose, c'est comme si c'était un affront. Ils se disent, mais attends, il est qui là pour se dire que c'est lui qui va envoyer ça dans le village? Elle est qui pour dire que c'est elle qui va être la première personne à se marier dans la famille? Elle est qui? Elle est qui? Il est qui? Tu es qui pour te permettre de dire que c'est toi qui vas faire ça? Tu vas apporter le changement dans la famille? Un bon? Bien aimé, j'ai entendu quelqu'un dire que lui là, il n'a jamais mis pied dans l'avion. Ce n'est pas Eloge qui va mettre ses pieds dans l'avion. Un bon? Lui n'a jamais voyagé en avion. Ce n'est pas Eloge et qui c'est qui va monter dans l'avion. Quoi, Eloge? Moi, je ne suis jamais monté d'avion. Ah bon, d'accord. Allez dire à cette personne que j'ai pris l'avion près de 20 fois en 2018. Allez dire à cette personne, Jésus est Seigneur. Grâce à Jésus, Eloge a pris l'avion près de 20 fois. Près de 20 fois en 2018. Donc, ça, ce n'est que partie remise. Ça commence et mon Dieu est un Dieu qui commence et qui termine. Ça peut juste te faire comprendre que, bien aimé, l'ennemi n'est pas plus fort. Qu'est-ce qui rend l'ennemi fort? Notre naïveté, notre paresse, notre passivité, notre négligence. Combien j'ai été naïve, combien j'ai été passif, assis là pour que Dieu descende avec une échelle pour avoir pitié de moi. Arrête-moi ça là. Le diable n'est pas plus fort que toi. Il est un manipulateur, mais il n'est pas aussi fort. Il n'est pas aussi fort. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. N'oublie pas qu'une fois dans tes pensées, dans ton cœur et dans ton âme, tu décides de faire quelque chose. Il commence à combattre cette chose. Brûle tout numéro qu'ils ont inséré dans ton sang. Bien aimé, tu vas cesser. Si tu fais bien ce que je te dis, tu vas cesser de faire des cauchemars du village. Malheureusement, certains prennent mes informations. Tout à l'heure, j'étais en train de dire à un frère qui a fait un beau rêve. Vous savez, je lui ai dit, frère, parfois les enfants de Dieu, je leur montre des secrets incroyables. Mais ils prennent ça, blablabla, ils mettent de côté, puis ils avancent, ils attendent que l'eau passe en direct la prochaine fois. C'est comme ça beaucoup d'entre vous font. Combien ne savent pas que j'ai révélé les secrets de leur famille? Combien ne savent pas, combien savent que j'ai révélé les causes de leur malheur? Ils m'ont écouté, ils ont découvert d'où viennent leurs problèmes. Ils prennent ça, ils brossent en 2 minutes, ils mettent de côté et ils attendent que l'eau soit en direct. Vous croyez que je m'amuse? C'est comme ça la plupart des enfants de Dieu, de l'eau font. Il n'y a pas un qui va prendre un sujet pour dire « Mon problème a été révélé » et de prier jusqu'à la victoire. Il brosse, il passe. En tout cas, j'ai déjà fini mon direct. Si tu ne veux plus être contrôlé par la sorcellerie, dis à Dieu, tu brûles toutes choses qu'ils ont volées de toi et qu'ils prennent pour te contrôler à distance. Ou bien, tu brûles tout numéro qu'ils ont inscrit dans ton âme, qu'ils prennent pour te manipuler à distance. Tu brûles tout ce qu'ils ont installé dans ton corps et qu'ils prennent pour te contrôler à distance. Tu brûles tout ce qu'ils ont installé dans ta maison et autres. Bien aimé, lorsque tu vas commencer à brûler leurs antennes, tu vas commencer à brûler leurs connexions, tu vas commencer à brûler leurs points de contact, tu vas commencer à détruire tout, tu vas commencer à les aveugler, tu vas commencer à les embrouiller, tu vas commencer à les rendre confus. Bien aimé, si tu as coupé la ligne téléphonique de quelqu'un, tu peux communiquer avec qui? Si tu as coupé le satellite de quelqu'un, il va te communiquer à qui? Soit tu as brisé leur écran de téléviseur, ils vont te voir où? Si tu es devenu invisible, la Bible dit que dans la Bible, le serviteur de Dieu a dit aux soldats qui le cherchaient, qui a dit à Dieu de les frapper d'aveuglement. Le Seigneur les a frappés d'aveuglement. Ils sont venus le chercher, mais ils n'ont pas su que c'était Élisée. Si je me trompe, dites-moi, ils n'ont pas su que c'était Élisée parce qu'ils étaient frappés d'aveuglement. Si tes ennemis sont frappés d'aveuglement, ils vont voir quoi? Mais au contraire, ce sont les enfants de Dieu qui sont frappés d'aveuglement. Ils se réveillent, ils ne se souviennent d'aucun de leurs rêves. Le diable les frappe d'aveuglement. Ils se réveillent, ils ne se souviennent d'aucun de leurs rêves. Voici comment la sorcellerie manipule les gens. Aujourd'hui,
je vous laisse déjà rapidement. Il y aura un marathon de prières. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Facebook, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné aux chaînes Océan de Grâce, abonnez-vous. Bien-aimés, grâce à Dieu, notre direct pourra passer sur Océan de Grâce. Pour vous qui n'aimez pas passer sur YouTube et autres, bien-aimés, grâce à Dieu, je pense que dans peu de temps, nos directs pourront passer sur Océan de Grâce. Mes frères et sœurs, c'est un petit conseil d'amis, un petit conseil de frères, un petit conseil. Commencez à brûler tout ce qu'ils ont volé de vous, les photos, les habits d'enfance que vous avez oubliés. Peut-être que vous ne savez pas que vos chaussures d'enfance peuvent servir de point de contact. Bien aimé, c'est ce sur quoi vous avez porté. Vous avez, excusez-moi du terme, vous avez chié dessus en tant qu'enfant. Vous avez pissé dessus en tant qu'enfant. Vous avez uriné votre sueur. Tout est dessus en tant qu'enfant. Donc vos cheveux d'enfance qu'ils ont gardés, vos ongles d'enfance, si vous coupez les ongles, vous croyez qu'ils ont jeté mais n'ont pas jeté. Votre placenta, votre nombril, cordon ombilical, toutes ces choses qu'ils ont pris, vos photos, les copies spirituelles de vos dates, votre acte de naissance, vos dates de naissance, vos jours de naissance, vos semaines de naissance. La sorcellerie semble contrôler la majorité des chrétiens, mais les chrétiens ne savent pas pourquoi malgré mes prières, ils continuent de me faire ça. Pourquoi malgré, mais c'est parce qu'ils gardent tout ce que je suis en train de vous citer. Les actes de naissance, les empreintes de vos pieds, vos urines, tout, ils ont récolté tout ça là. Et à partir de leurs hôtels, ils vous contrôlent. Ils savent comment vous avoir. Ils ont l'emprise sur vous. Ils vous contrôlent. Ils peuvent décider ce qui va arriver dans votre vie parce qu'ils ont des éléments de vous pour vous contrôler. Bien-aimés, ce sont des grands secrets du combat spirituel que je vous révèle. Beaucoup ne savent pas pourquoi on les contrôle. Leurs chaussures servent à les contrôler. Leurs vêtements, leurs soutiens, leurs dessous perdus, tout ce qui disparaît. Parfois même ton argent que tu envoies peut servir à te contrôler. Aujourd'hui, je t'ai révélé le secret. Je t'ai révélé un grand secret. Comme ça, commence à brûler tout numéro qu'ils ont inséré dans ton sang. Tout code secret qu'ils ont inséré dans mon cerveau. Tout appareil qu'ils ont inséré dans mon corps. Brûle et soit consumé. Que tout démon qui les surveille pour moi soit aveuglé. Soit foudroyé au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment les arrache au danger. Bien-aimé, l'ange de l'Éternel campe autour de vous et vous arrache au danger. Mais vous ne savez pas aussi qu'il y a des démons qui campent autour de vous pour récolter les informations, les démons espions. Bien-aimés, si vous êtes fatigué de jouer avec votre vie, mes livres sont là pour vous aider. Et aussi, ce marathon de prières. Marathon de prières. Inscrivez-vous à ce marathon de prières que si vous êtes capable de prier. Bien-aimés, si tu ne peux pas prier, il ne faut pas venir me fatiguer. Il ne faut pas venir dire, frère Eloge, je vais participer au marathon de prières. Si tu n'as rien à faire, va ailleurs. Durant ce marathon de prière, je vais avoir le temps pour m'occuper des vrais enfants de Dieu. Les faux priers pour moi, là, je n'ai pas le temps pour eux. Les pasteurs, je vais t'expliquer rêve là. Je n'ai plus le temps de ça. Pasteur, j'ai fait un cauchemar là. Mets-moi ça de côté et va combattre. Parce que tu continues de faire des cauchemars. Tu continues d'expliquer tes cauchemars au pasteur. Ta situation ne finit pas. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas expliquer cauchemar à pasteur qui va changer ta situation. Tu vas expliquer juste pour satisfaire ta curiosité. Satisfaire ta curiosité, c'est tout ce que tu veux là. Mais c'est pour ça que les enfants de Dieu passent tout leur temps à consulter les prophètes et autres. Et autres. Donc, cesse-moi ça, s'il te plaît, rentre en combat. Il y a des gens qui sont tellement curieux que tout ce qu'ils veulent savoir, c'est ce que l'avenir leur réserve. Mais ce que tu vis aujourd'hui là, tu fais quoi de ça? Tu vis déjà la galère, tu vis déjà la souffrance, tu vis déjà la pauvreté, tu vis déjà le célibat, tu vis déjà le rejet dans ton propre mariage, tu vis déjà l'humiliation, tu vis déjà une relation en dents de scie, tu vis déjà un boulot qui ne te rapporte pas. Ton petit boulot, ça ne te rapporte rien, ça ne te rapporte pas grand chose. On est déjà endetté, on a déjà des problèmes. Ça là, ce sont déjà des problèmes à régler. Tout ce qu'ils veulent savoir, qu'est-ce que Dieu dit? Mon avenir ressemble à quoi? Prophète, 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 prophète. Ta vie même est une prophétie. Ta vie même est une révélation. Ta vie est une révélation. Parce que la façon dont tu vis révèle ce qui se passe dans ta vie. La façon dont tu souffres révèle qu'on te rejette déjà parce qu'il y a un problème. La façon dont tu galères et puis personne ne se marie, ça révèle qu'il y a une malédiction dans ta vie. Tu cherches quelle révélation? Ta vie est une révélation. Ta galère, tes problèmes montrent qu'il y a un problème. Ta souffrance, tu as des problèmes, des difficultés, des relations à problème. Ça, c'est une révélation. Tu veux quelle révélation? Tu veux quelle révélation? Toujours c'est toi qui es rejeté. C'est une révélation qui montre qu'il y a quelque chose dans ta vie. Pourquoi les autres ne sont pas rejetés comme toi?
Tu es en train de vieillir sans mariage. Ça, ce n'est pas une révélation qu'il y a une malédiction dans ta famille. Ta galère, toujours on prend ton dossier, on ne t'appelle jamais pour bosser. Tu as travaillé dur comme un esclave, comme une bête sauvage. Tu as travaillé, on t'a utilisé pour travailler, pour faire l'argent aux autres. Tu n'as pas pu économiser un seul sou jusqu'en 2018. Ce n'est pas une révélation. Tu as besoin de te promener, pasteur. Prie Dieu pour que Dieu dise ce qu'il y a dans ma vie. Oui, mais toi-même, il faut ouvrir ta bouche et demander à Dieu. Pour dire non, quelque chose se passe dans ma vie et ce n'est pas clair. Je veux que tu me parles. Je suis en train de vieillir sans mariage. Je suis en train d'avancer sans succès. Je suis en train de lutter sans prospérité. Toute ma famille est même chose. C'est comme si tout le monde a été condamné. Toute ma famille tourne en rond. Tout le monde termine comme mon père. Tout le monde termine comme ma mère. Ça, c'est une révélation. Ta galère est une révélation. Bien-aimé, c'est ma souffrance qui m'a révélé qu'il y a un problème dans ma vie. Ma souffrance. Bien-aimé, le rejet, l'humiliation, le rejet. Et c'était toujours la même chose. J'ai senti qu'il y avait quelque chose dans ma vie. Et en repassant, j'ai constaté que ma maman a vécu un problème qui s'est réjailli sur ma vie. Et j'ai constaté que ce qui m'a vraiment révélé que j'avais un problème, c'était ma souffrance. C'est la vérité que je te dis. Analyse ta vie. Elle te révélera si tout va bien ou pas. Analyse ton âme. Analyse tes cauchemars. Si tes rêves sont propres, tu sauras si tout va bien ou pas. Est-ce que ça, ce n'est pas une révélation? Ça, ce n'est pas une prophétie? Vous croyez que c'est aux hommes seulement Dieu donne des prophéties? La plupart de vos songes sont des révélations prophétiques. La plupart de vos songes. Parce que ça annonce ce qui va arriver dans le futur. Ça annonce ce que Dieu veut faire pour vous dans le futur. Au lieu de prier Dieu, vous promenez derrière les hommes. Bien-aimé, vous savez pourquoi Élie était un prophète? Élie était un prophète parce qu'il avait des songes. Élie était un prophète parce que Dieu lui parlait. Donc, il se peut que vous aussi, vous ayez le don des révélations prophétiques, le don de prophétie que vous êtes en train de négliger. Vous avez des visions. Combien d'enfants de Dieu, bien-aimés, quand ils rêvent, ça s'accomplit? Combien d'enfants de Dieu, quand ils te disent quelque chose, ça s'accomplit? Ils n'ont pas le titre de prophète. Mais il y a des femmes, si elles ont rêvé, quand elles disent que ça, là, ça va arriver, ça arrive. Ce sont des prophétesses. Ce sont des gens à qui Dieu révèle des prophéties. Et vous êtes en train de vous promener derrière les hommes. Au lieu de laisser Dieu utiliser ses prophètes pour vous parler, en train de courir derrière les hommes comme si vous n'avez rien compris. C'est comme ça. Vous avez aussi des dons de prophétie. Voici pourquoi vous allez voir qu'il y a des hommes qui font beaucoup de rêves. Ils voient tout ce qui va se passer dans la famille. Des femmes qui font beaucoup de rêves. Elles voient tout ce qui va se passer dans la famille. Elles savent tout d'avance. Elles savent. Rien ne peut leur être caché. Même si leur mari les trompe, elles vont voir un rêve. Même si leur femme les trompe, ils vont voir un rêve. Même si quelque chose se passe et ce n'est pas clair, ils vont voir un rêve. Vous avez le don de prophétie, le don de révélation. Dieu vous parle et vous êtes en train de courir derrière les hommes, courir derrière nous. Courir et courir et courir et courir sans vous fatiguer. Vous avez vraiment beaucoup d'énergie. Il y a des gens qui ont énergie de... Il y a des gens qui ont l'énergie. Tu as vraiment le temps. Hein? Le temps. Tu as vraiment le temps. Tu as vraiment le temps. Ça veut dire que toi, Dieu te parle déjà. Ta vie déjà te révèle que hey, tu vas finir de la même façon en 2020. Tu t'amuses, ils vont finir avec toi. Regarde déjà, ils sont en train de te poursuivre en rêve. Dieu dit, regarde, ils sont déjà en train de poursuivre ton âme. Regarde, ils sont déjà en train de venir pour te souiller encore. L'année a commencé, à peine l'année a commencé, le mari de nuit a commencé. Ta vie révèle que tu as un problème. Tu cherches quelle révélation? Passe en action. Commence à jeûner, prier. Prends des mesures, bombarde et autres. Ta vie te révèle que tu as des galères, des problèmes, des blocages, problèmes de mariage, problèmes de fiançailles, problèmes et problèmes et problèmes, problèmes. Tu es en train de chercher quelle révélation? Vous voyez? Faute de connaissance, faute de discernement, le peuple périt. Alors, si vous voulez que ce moment vous soit profitable, je vous invite au marathon de prière. Un marathon de prière, enchaînement de combats spirituels. Mon frère, ma soeur, on n'a pas besoin de jeûner, mais c'est un moment où on décide de prier au moins 3 à 4 fois par jour. Une heure de temps, 3 à 4 fois par jour. Fais ce que tu fais, mais dès que ton heure de prière arrive, tu abandonnes tout si tu es à la maison. Si tu peux, fais comme le musulman.
quand ton heure de prière arrive, personne ne peut négocier avec toi. Même si tu es en train de parler avec le pape, dis-lui, j'ai rendez-vous avec mon Dieu. Peu importe ce que tu fais, tu finis de faire rapidement, tu rentres en prière. Et fixe-toi l'objectif à atteindre. Fixe-toi l'objectif à atteindre. Bien-aimé, si tu veux faire partie de ce marathon de prière qui aura lieu le 15, du 14 au 15, bien-aimé, prépare-toi. Prépare-toi pour détruire les œuvres du monde des ténèbres. Prépare-toi. Oui, si tu pries depuis 5 ans, ça ne change pas. Rien ne change. Il faut demander à Dieu ce qui se passe. Ça dépend de ce que tu demandes à Dieu. Si tu demandes à Dieu la même chose pendant 5 ans, il ne te répond pas. Mais c'est qu'il y a un problème dans ta prière. C'est la vérité parce que Dieu répond toujours. 5 ans pour ne pas répondre à un homme, mais c'est grave. Au moins, Dieu aurait dû te dire ce qui se passe quand même. Soit tu ne comprends pas Dieu, ou tu pries beaucoup, mais tu n'entends pas Dieu. Il y a des gens aussi qui sont comme ça. En fait, il faut leur enseigner à avoir le discernement. Beaucoup parlent à Dieu, mais ne comprennent pas quand Dieu parle. Ça, c'est une réalité. C'est parce que leurs esprits ne sont pas réellement développés et nourris. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous protège. Je vous aime beaucoup. Chaque opportunité pour moi, c'est révéler un secret. Si tu veux maintenant te libérer de ça, prends ta parole, la parole de Dieu. Brûle tout ce qu'ils ont inséré dans ton corps et dans ton sang. Bien aimé, il y a des gens qui sont tellement envoûtés qu'ils sentent qu'il y a des choses qui marchent dans leur corps. Il y a des gens qui sont tellement envoûtés que parfois ils ne sont pas maîtres de leurs pensées. Le monde des ténèbres les contrôle. Je t'ai donné le secret. Je vous aime beaucoup, n'oubliez pas. Alors, brûlez les œuvres du monde des ténèbres. Brûlez tout ce qu'ils prennent pour vous contrôler. Brûlez tout ce qu'ils prennent pour vous entendre. Rentrez dans le combat spirituel. Si c'est parce qu'on a annoncé notre marathon de prières qu'ils sont en train de faire leur réunion dans les ténèbres, ces réunions sont nulles et sans effet. Si c'est parce qu'on a annoncé notre temps de prière qu'ils sont en train de préparer leurs fétiches pour se protéger, leurs fétiches de protection sont nuls et sans effet. Ils n'ont qu'à aller prendre ce qu'ils veulent, leurs boucliers. Ils n'ont qu'à renforcer leur protection. J'envoie le tonnerre pour foudroyer leur protection. S'ils veulent, ils n'ont qu'à se laver avec le sang humain. S'ils veulent, ils n'ont qu'à multiplier les démons. S'ils veulent, ils n'ont qu'à multiplier les esprits impurs. Peu importe ce qu'ils vont faire pour se protéger contre nos prières, je rends cela nul et sans effet. J'ai fini. Je vous bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Je dis merci à tous ceux qui m'ont appelé pour faire leur action de grâce. Vous m'avez vraiment montré que je suis votre père spirituel. Vous m'avez vraiment montré que je suis votre frère. Vous m'avez vraiment montré que vous voulez que ce que je fais avance. Merci. 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 Parfois, je vais vous choquer. Parfois, je vais vous blesser. Parfois, je vais vous frustrer. Mais n'oubliez pas, c'est en voulant vous faire du bien que j'ai fait des erreurs. Sans quoi, si j'étais assis dans mon coin à ne rien vouloir de vous, c'est sûr que, à ne rien vouloir faire pour vous, c'est sûr que je ne ferais pas d'erreur. Mais n'oubliez pas que c'est en faisant des erreurs chaque jour qu'on s'améliore. C'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Merci frère Francis pour tout ce que tu as fait. C'est en voulant faire du bien qu'on fait des erreurs. Et en faisant des erreurs, on s'améliore. Sinon, celui qui ne veut rien faire ne fait jamais d'erreur. Écrivez ça quelque part. C'est en voulant faire du bien qu'on fait des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Sinon, celui qui ne veut rien faire de ses deux doigts ne fera jamais d'erreur. C'est en voulant faire du bien qu'on fait des erreurs. Et c'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Sinon, celui qui ne veut rien faire de ses 4, 5, 10 petits doigts ne fera jamais d'erreur. Alors, si vous dites que vous ne faites jamais d'erreur dans la vie, c'est que vraiment votre cas est critique. Si quelqu'un dit, moi, j'ai jamais fait d'erreur dans ma vie, là, toi, tu as besoin de délivrance, tu as besoin de restauration et de transformation. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro de téléphone, c'est le 001-438-99541-09. Ciao. Arrivederci.